On se retrouve souvent sur un banc, n'est-ce pas? Certains d'entre vous, vous vous souvenez sans doute de vos places à ce qu'on appelait la petite école. De nos jours, les jeunes ont souvent du mobilier de couleur, avec des jolies petites chaises faites à leur mesure. Mais dans le bon temps, c'était des bancs. Oui, les bancs d'école. Mais, justement, on en apprenait beaucoup de choses sur un banc. Il y avait aussi les bancs d'église, où on écoutait M. le curé nous expliquer ce qu'il appelait les vérités de notre religion. Ça durait longtemps parfois, les explications, mais là aussi, on apprenait quelque chose. Il y a les bancs des parcs, où on se raconte les potins du quartier, le banc de la salle à dîner, où de bonnes amies se racontent leurs aventures pendant que, sur un banc de la rue, leur mère échange les nouvelles des uns et des autres. Il y a aussi les bancs du métro, où on échange ce qui nous passe par la tête. Et bien sûr, les bancs d'hôpital, où l'on attend un verdict que l'on craint d'entendre. Oui, sur un banc, nous apprenons toutes sortes de choses. Sur un banc est le titre de notre nouvelle série de programmes. Au fil de semaine, sur un banc, ici ou là, nous rencontrerons diverses personnes qui nous raconteront leur vécu. Un vécu parfois surprenant, percutant et toujours intéressant. Des hommes et des femmes nous diront ce qui les inspire. Ce qui leur donne le goût de se lever le matin et de faire le premier pas vers une expérience qui les acheminera vers ce qu'ils ou elles veulent accomplir. Pas nécessairement quelque chose de bien difficile ou d'inusité, mais quelque chose qui nous appelle à grandir, à se dépasser et à devenir le meilleur que l'on puisse devenir. Pour chacun et chacune, il y a un chemin à parcourir qui nous conduit vers la réalisation de soi et qui peut favoriser l'épanouissement des autres. Vous dites, c'est idéal? Oui, et pourquoi pas? Un poète a dit, « Des gens voient les choses comme elles sont et disent, « Pourquoi? » Je rêve de choses qui n'ont jamais été, je dis, « Pourquoi pas? » Alors, joignez-vous à moi pour accueillir les invités qui nous rejoindront sur un banc. Bonjour Madame Mainville, il me fait plaisir de vous accueillir à notre série de programmes sur un banc. Un peu plaisir. Vous avez une contribution toute particulière à la société, spécifiquement à un groupe. Depuis plusieurs années, vous êtes impliquée
dans un mouvement ou l'expérience de justice réparatrice. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet? Je suis bénévole en milieu carcéral depuis 26 ans. C'est au cours des années je me suis intégrée à la justice réparatrice parce que quand on est bénévole en milieu carcéral, automatiquement, nos actions vont dans le but de réparer, d'aider les personnes qui ont commis ou subi un crime suite à une incarcération. Alors, ce fut ma part que j'ai contribué à la société avec les années. Puis quand je parle de justice réparatrice, ça veut dire que je parle de victimes, des personnes qui ont été victimes, des personnes qui ont été délinquantes, qui ont vécu un temps en prison et des membres de la société. Pourriez-vous nous expliquer un peu, Mme Mainville, l'origine de ce mouvement de justice réparatrice? Oui, cette origine, ça a commencé en 1974. C'était inspiré par les Autochtones et c'est les Mennonites qui ont commencé la justice réparatrice. C'était déjà installé chez eux. Au Québec, ça s'est développé un petit peu plus tard par des face-à-face au niveau des anglophones. Un face-à-face, c'est la rencontre d'un détenu qui a commis un crime avec une victime qui a subi un crime et elle rencontre un membre qui a commis un crime apparenté. Alors, ce n'est pas nécessairement la personne avec qui elle a subi ou vécu un crime. Alors, en 1991, Sœur Thérèse de Villette, qui était au Tchad, est arrivée au Québec. Une de ses consœurs religieuses avait été assassinée. Alors, elle était beaucoup bouleversée et elle a rencontré David Chan, qui était aumônier au centre fédéral, qui déjà, au niveau des anglophones, faisait des rencontres de justice réparatrice. À ce moment-là, on appelait ça face-à-face. Donc, si j'ai bien compris, c'est Sœur Thérèse de Villette qui a démarré le mouvement de justice réparatrice. Pouvez-vous nous parler un peu plus du but? Alors, le but de la justice réparatrice, c'est surtout de réparer ce que le crime a brisé. Le but le plus spécifique de la justice réparatrice, c'est d'éviter la récidive, puis aussi de permettre à ces individus-là qui ont subi ou commis un crime d'être capables de réparer la relation, que ça devienne abordable dans leur vie, les difficultés qu'ils ont vécues suite à un crime. Y a-t-il des moyens précis pour atteindre ce but? Les moyens, c'est sûr que à l'intérieur des rencontres RDV, qui est rencontre détenus victimes, le but est vraiment on utilise beaucoup la résolution de conflits, alors le dialogue, le partage. Le centre de la justice réparatrice, c'est eux qui gèrent la pratique de ces rencontres-là, parce qu'ils ont des personnes qui sont spécialisées dans le domaine comme bénévoles. Le centre de la justice réparatrice actuellement, ont développé ce qu'on appelle les rencontres, RDV, comme je vous ai mentionné, et aussi les cercles de soutien et de responsabilité pour les délinquants sexuels. Alors, ce sont deux grandes ressources qui sont gérées par l'aumônerie communautaire puis le Centre de justice réparatrice. Une idée qui me traverse l'esprit, y a-t-il des actions qui sont impardonnables? C'est sûr que le pardonnable est l'impardonnable. Mais dans l'impardonnable, il y a des parties, des fois, qui sont pardonnables. Quand on fait des RDV, souvent on retrouve la personne qui est capable de développer par la suite une relation plus saine, plus capable de parler à son fils, plus capable de parler à sa famille. Alors, les petites parties pour faciliter la relation. Alors, si je peux penser à Sarah, qui est une victime, qui a passé à la mission justice, elle a répondu à cette question-là. Elle était en face, dans un face-à-face, et elle dit, « Moi, là, j'ai trop été abusée pour que je puisse arriver à pardonner. Mais d'être avec vous, puis de parler de pardon, parce que le monsieur voulait demander pardon à cette personne, elle dit, je peux reconnaître différentes parties de vous. Vous reconnaissez que que vous avouez votre geste. Vous reconnaissez que vous avez regret. Et ça me permet, cette partie-là me permet d'aborder une meilleure relation dans ma société avec les gens.
Pour vous, personnellement, quel a été l'élément déclencheur dans cette démarche, dans votre engagement? Alors, j'étais cursiliste, puis lors d'un rassemblement, il y a un aumônier de prison qui est venu faire un appel. Il avait besoin de bénévoles, l'aumônier de Coinsville, il avait besoin de bénévoles pour de l'écoute, du partage, de l'animation. Alors, j'ai répondu à cet appel. Alors, j'ai débuté à ce moment-là à Coinsville, une fois par mois. Puis, je trouvais que c'était pas suffisant. J'avais le goût de développer davantage mon engagement. Alors, j'ai rencontré un aumônier à Saint-Anne-des-Plaines. Il m'a dit, tu pourrais venir toutes les semaines. Alors, moi et mon mari, on s'est rendus toutes les semaines dans les rencontres à Saint-Anne-des-Plaines. Et à ce moment-là, j'ai retourné aux études. Puis en retournant aux études, j'ai rencontré Jean Monbourquet, qui était mon prof, mon coach, mon mentor spirituel. Et j'ai développé dans mon projet de thèse des ateliers sur le pardon. Et Jean Monbourquet m'a beaucoup encouragé à aller animer ça en milieu carcéral, en plus de mon travail que je faisais à ce moment-là. Alors j'ai accepté d'aller animer les ateliers du pardon. Suite à ces ateliers du pardon que j'ai animés dans différents pénitenciers du Québec au cours de mes années, et j'ai eu une demande tout à fait spéciale par l'aumônier régional à ce moment, en 2001, si j'étais libre pour aller animer les ateliers, si tu faisais la paix, que j'avais appelé ça comme ça, des ateliers qui ont duré 10 jours dans les plus hauts pénitenciers à Port-Cartier. Alors, ce fut une expérience unique où j'ai vécu des émotions, mais où j'ai vu des transformations d'individus qui ont vécu des 111 vies. Hein, c'est des gens en 111 vies. Alors, ce fut une expérience assez exceptionnelle. Avez-vous un dernier aspect concernant la justice réparatrice dont vous voudriez nous parler? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que le Centre de justice réparatrice, il y avait les RDV, mais il y a aussi les cellules de soutien et responsabilité pour les gens qui ont des problèmes de délinquance sexuelle. Alors, actuellement, j'accompagne une personne qui fait partie des cellules de soutien. Ça veut dire qu'on est 3 ou 4 personnes qu'on accompagne un individu qui n'a pas de famille. Alors, actuellement, j'accompagne un individu qui a une problématique de santé mentale. Alors, nous l'accompagnons dans sa réhabilitation. Alors, de bénévole de prison à bénévole pour la réhabilitation dans les 26 ans, ça me permet d'être actif aujourd'hui, mais dans la société. Alors, un grand merci à vous, Mme Mainville, de nous avoir partagé votre expérience très enrichissante. Ce que vous nous avez dit nous a bien inspiré et inspirera sûrement ceux qui nous écouteront sur un banc. Merci. Avec plaisir.